Oui, j'arrive, excusez-moi. 2 minutes. Je prépare tout. Je suis pas trop sévère, vous pourrez poser des questions, il y aura pas d'exercice, il y aura des petites, comment dire, des petites colles, mais il y aura pas beaucoup de choses et on va pas tout faire ce soir, voilà. Bonjour Mamie Simone, bonjour Line Virtuelle, bonjour Rémi, bonjour Padel. Donnez-moi quelques minutes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez une légère musique ci-dessous? Et est-ce que vous êtes prêt à prendre des notes? Voilà, parfait, c'est fantastique. J'espère que... Bon, pas de musique, tant mieux, voilà. Alors attendez, s'il n'y a pas de musique... Ah mais attendez, c'est normal qu'il n'y ait pas de musique. Non, c'est pas normal. Attendez, alors je vais rajouter une. Ah, il y a une petite musique chill. Ah ouais, pas fort. Je vais légèrement l'augmenter, mais légèrement. Voilà. C'est vraiment infime. C'est juste pour combler les blancs, tu vois. Ok, ben bah on va commencer tout de suite. Donnez-moi une petite seconde. Je prépare mes notes. Attendez, je vais apparaître et ensuite je lancerai parce que comme c'est un podcast, il faut aussi que je lance Audacity en même temps. Alors, ces merveilleuses choses disparaissent. Oh là là, le monde disparaît. Voilà. Et qui apparaît? Le logo qualité. Et... Ah, oh zut, mon nœud papillon il s'est enlevé. J'avais mis un nœud papillon, je le remets bien. Ah, j'avais préparé un petit nœud papillon. J'ai regardé, j'ai sorti une veste à coudières comme les profs. Ah! C'est pas un nœud papillon, c'est un nœud papillon qui s'attache automatiquement. Ah, voilà. Regardez comme. Voilà. Salut, vous allez bien? On va commencer ce cours tout de suite. Je lance Audacity. Alors, voilà comment ça se passe. Je vais exposer des choses. Et puis, de temps en temps, je ferai des pauses. Et vous pouvez me poser des questions. Si je peux remonter le chat, parce que j'ai une fenêtre chat qui est ouverte. Donc si vous voulez vraiment, si vous tenez vraiment à me poser une question et c'est très important pour vous, je suis encore en train de perdre mon papier. Non, ça va. Attends, il faudrait que je resserre un peu peut-être. Si vous avez une question à me poser pendant le qui vous tient vraiment à cœur, ce que vous faites, c'est que vous me notifiez. Vous mettez at fibre tigre et vous mettez un. À Fibre Tigre, et puis je remonterai, je vous verrai. N'hésitez pas à les poser plusieurs fois non plus. Voilà. Donc, également, il y a quoi d'autre que je voulais vous dire en narrative design? Non, je crois que c'est bon. Je crois que c'est tout. Allez, on va commencer. Alors, il y aura beaucoup d'introductions parce que c'est le premier podcast. Soyez compréhensifs. Alors, juste, je réponds à Skouma. Pour écrire un narrative designer, il faut zéro podcast. Vous pouvez déjà le faire ce soir. Allez, c'est parti. Alors le podcast, rigolez pas, hein, il s'appelle Compétences avec un Q. Peut-être que je devrais changer l'intro parce que peut-être qu'ils vont changer de nom d'ici là. Mais bon, on va essayer quand même. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui porte le nom de Compétences avec un Q. Donc Compétences, c'est un petit podcast dans lequel les membres de qualité et même des intervenants extérieurs, donc vous êtes invités à présenter votre candidature, des intervenants extérieurs ne font pas forcément des cours, mais transmettent leur expérience de terrain à travers enfin, leur connaissances, leur méthodologie, ce qu'ils savent en gros, parce qu'on considère que faire des cours, c'est quelque chose de très particulier et c'est un métier qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc moi, Fibre Tigre, qui suis au micro, je prends on va dire la direction, le pilotage du premier épisode de Compétences. Il y en aura même plusieurs que je vais piloter d'affilée, parce que je voulais transcrire en podcast mes cours de narrative design. Déjà pour que d'une part, ils profitent à tout le monde. Et surtout, c'est des cours que j'ai donnés à raison de 1 à 2 fois par an dans des écoles professionnelles de jeux vidéo. Et en fait, c'est très très fatigant. Ça m'a fatigué. J'ai sorti des cours, j'étais vraiment épuisé. Et du coup, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, je préfère le faire une fois. En plus, je suis chez moi, tranquille. Après, je vais chiller tranquille. Donc, ce n'est pas pareil que d'aller en cours et d'avoir le stress du cours. Et que tout le monde peut en profiter, et ce, gratuitement. Donc, on est très content. En plus, moi, je me suis lancé dans les jeux vidéo il y a très longtemps, parce que je vais revenir un petit peu sur mon parcours. Je me suis lancé dans les jeux vidéo il y a très longtemps. Et mon but, c'était
c'était de faire des jeux vidéo, mais aussi c'était de jouer à des meilleurs jeux vidéo, des jeux vidéo que j'aurais créé par exemple, qui me conviendraient. Et du coup, tout ce que j'ai découvert dans quasiment 20 ans de fiction interactive, eh ben, je vais vous les transmettre dans ces cours. Et sachez que c'est amusant parce qu'il y a finalement peu de choses. C'est-à-dire que 20 ans de fiction interactive à travailler quasiment tous les jours, ben, finalement, ça peut se résumer en 3-4 heures de cours. Et une fois que vous aurez vu tous ces cours, eh ben, vous saurez tout. Voilà. C'est-à-dire que vous saurez tout ce que je sais. Et on sera au même niveau. Donc, vous pourrez faire d'autres choses. Même si faire l'expérience d'une chose et recevoir l'expérience d'un autre sont deux choses quand même tout à fait différentes. Avant de commencer, je voulais dire que cette émission est enregistrée en direct, en une seule prise. Donc, elle ne sera pas parfaite. Et surtout, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à assister aux enregistrements en direct qui auront lieu probablement le mercredi soir, sauf si le stream me colle une émission ce soir-là. Et comme ça, vous pourrez non seulement me voir bafouiller en direct, mais en plus, vous pourrez poser vos questions. Et c'est le moment unique de poser les questions parce que si vous écoutez cette émission et vous dites: Ah, trop une bonne question à lui poser, et que vous me l'envoyez ensuite par Twitter ou par mail, bah, d'une part, tout le monde ne profitera pas de la réponse si votre question est pertinente. Et d'autre part, j'aurai peut-être pas le temps d'y répondre. Voilà. En tout cas, je suis content de partager ça et je vais vous raconter tout ce que je sais sur la narration interactive. Voilà. Alors, à noter que j'ai pas appelé ça narrative design, même si j'en parle souvent, parce que de toute façon, il n'y a pas un vocabulaire unifié dans le jeu vidéo et que ça recouvre des choses que je ne maîtrise pas forcément. Mais en tout cas, pour dire les choses de façon simple, je vais essayer de raconter comment on fait pour raconter des histoires telles que je le fais avec mes techniques. Et j'espère que ça vous profitera. Voilà, fin de cette première introduction très longue. Alors, à noter que on va parler de narration interactive liée essentiellement aux jeux vidéo, parce que c'est quand même l'industrie qui marche le mieux, même si on fera des détours vers d'autres médias. Parce que le jeu vidéo, finalement, ça reste l'aboutissement de tous les médias. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, il y a un petit peu de cinématographie, un petit peu d'écriture textuelle. Voilà, il y a de la représentation picturale, il y a un peu de tout. Donc en gros, c'est un peu l'ultime chose qui aussi raconte les choses d'une façon différente. Donc parler de jeux vidéo, c'est forcément parler d'autres supports et vice-versa. Donc je voulais dire une chose qui est très importante par rapport aux étudiants qui sont aujourd'hui en 2020 en école spécialisée dans le jeu vidéo, c'est que les vieux comme moi, moi j'ai 42 ans, en fait ils n'ont pas fait d'école de jeux vidéo parce que simplement ça n'existait pas à l'époque. Le jeu vidéo ça s'est industrialisé vers les années 2000. Donc à ce moment-là on a commencé à avoir quelques formations particulières. Donc ce qu'il faut, le corollaire de cette affirmation, de ce constat, c'est qu'il y a très peu de choses qui sont sûres et normalisées. Il n'y a pas de théorème dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on peut affirmer une chose. Et elle est vraie, et on peut affirmer son contraire 20 ans plus tard, et elle sera vraie aussi. Donc c'est assez paradoxal, et c'est pour ça que je mets toujours en garde les élèves en disant tout ce que je vais dire, ce sera peut-être, enfin, comment dire, déjà ça vous semblera faux, alors que ce sera peut-être vrai plus tard, ou ça vous semblera hyper vrai, mais n'en faites pas votre sacro-saint, votre Graal, parce que il faut que ça aide à votre réflexion. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Dans les années 80, c'était normal en tant que game design de sanctionner le joueur qui faisait une faute en le tuant. Voilà. Donc, le joueur faisait une erreur, il mourait. Game over, écran de game over, à recommencer avec des morts plus ou moins punitives parce que les sauvegardes n'existaient pas toujours et d'autres aspects de punitifs et compliqués. Mais c'était admis, même si parfois ça pouvait être traumatisant pour les jeunes joueurs. Et début des années 90, il y a commencé à voir, d'abord avec Loom, puis après avec Monkey Island, puis après avec carrément une déclaration dans le manuel de LucasArts, Monkey Island 2, tout ça, il y a eu des premiers jeux d'aventure dans lequel il était impossible de mourir. C'est-à-dire que la seule sanction qui existait, c'était
de continuer à jouer, voilà. Mais simplement de ne pas trouver la solution. Ce qui semble assez normal, puisque c'était une époque où il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas accéder aux solutions facilement, etc. Donc le jeu avait une durée de vie difficile par le manque de ressources et le manque de réseaux humains qu'il y avait pour se partager les solutions. Donc, on est au début des années 90 et on commence à avoir cette tendance-là. Et les penseurs des années 90, notamment en 1995, quand il y a eu vraiment le rebond de la fiction interactive avec une nouvelle scène, on a commencé à se dire, mais effectivement, finalement, quand on ne tue pas les joueurs, quand on les laisse vivre, les jeux sont intéressants. Et parce que c'était une grande peur, c'est-à-dire on se disait, le raisonnement était hyper logique, c'était de dire, mais si on arrête de tuer les joueurs, bah, les joueurs ils vont plus se sentir en danger, et en gros ils vont s'emmerder. Et en fait pas du tout, au contraire, le jeu était aussi intéressant si on ne les tuait pas. Et on a plongé dans une création de game design qui, de plus en plus, le truc à la mode, c'était de ne pas tuer les joueurs. Et on est arrivé à un tel point qu'à un moment, il y a eu un Prince of Persia d'Ubisoft dans lequel on ne pouvait pas mourir. C'est-à-dire que Prince of Persia, paradoxalement, on tombait et en fait, on réapparaissait immédiatement. Donc c'est vraiment, à mon sens, l'iconique du « on ne peut pas mourir », c'est-à-dire le jeu casual tel qu'enfin, s'il faut prononcer ce mot, donc on est quand même en 2001, donc casual, c'est quand même, enfin, la notion de jeu casual est apparue après 2007, 2008, parce que, enfin, avec ce nom précis. Et si vous voulez, on était bien installé dans ces jeux dans lesquels on ne pouvait pas mourir. Et tout d'un coup, il y a Dark Souls qui arrive. Et les gens disent, oh, mais ce vent de fraîcheur, on peut enfin mourir, on a enfin peur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Dark Souls 1, dans lequel vous montez un escalier vraiment au premier niveau, il y a une énorme boule surgit de nulle part qui vous balance et qui vous tue. Et les gens ont dit, mais attendez, c'est trop bien, si tu n'as pas des réflexes de ouf, tu meurs. Voilà, c'est la vraie sanction à l'ancienne. On retrouve un souffle nouveau. Et donc, il y a eu beaucoup de jeux à la Dark Souls. Et tout d'un coup, en game design, il y avait un nouveau principe qui était de dire, mais c'est cool. C'est cool de tuer le joueur finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que donc en 95 et en 2015, littéralement à 20 ans d'écart, il y avait des game designers qui faisaient le constat, deux constats opposés, et en ayant tous les deux raison. C'est-à-dire qu'ils disaient, maintenant on va cesser de tuer le joueur, ou maintenant on va commencer à tuer les joueurs, parce que parfois les gens... Il y a des game designers qui sont nés en 2000, donc ils n'ont pas connu cette période où on tuait les gens. Donc on va commencer à tuer les joueurs. Donc ils disent deux choses opposées et ils ont tous les deux raison. Ce qui fait que on est quand même dans un secteur jeune, un secteur sans règles établies, un secteur où il n'y a pas de normalisation, même pas un vocabulaire normalisé. Un mot par exemple comme feedback, il a deux interprétations, je vais vous en parler un peu plus tard. Ce qui fait qu'il y a tout à faire dans le jeu vidéo, et j'espère que vous ferez partie de ces gens qui encadreront la construction de cet écosystème. A noter que si vous ne le faites pas, à titre universitaire ou amateur, ou au niveau associatif, par exemple, on pourrait créer association de la normalisation du jeu vidéo, on va hériter des normalisations du marché, je pense aux très grandes sociétés, Ubisoft par exemple, ou Rockstar peut-être un jour, et... C'est toujours mieux quand les initiatives de normalisation ne viennent pas de sociétés privées. Voilà. Donc ça c'est le premier avant-propos. Et le deuxième avant-propos, j'en ai que deux, hein, vous inquiétez pas, et après on rentrera dans le vif du sujet. Donc le deuxième avant-propos, c'est une énigme que je vais vous poser à vous qui êtes en train de me regarder, qui êtes sur le chat. Donc j'ai une question fondamentale que je pose tout le temps, souvent au début de mes conférences ou tout le temps au début de mes cours. Et donc, j'aimerais que... Enfin, si vous avez déjà assisté à une de mes conférences ou un de mes cours, ne répondez pas en disant « je sais », tu vois, réfléchissez-y. Donc en fait, c'est une question qui va vous faire réfléchir un petit peu sur la globalité de l'ensemble du travail que j'ai fait ces 20 dernières années, mais qui a beaucoup de pertinence aujourd'hui. À noter que aujourd'hui, quand je fais ce cours, nous sommes en avril 2020, en pleine pandémie, je précise, parce que si vous écoutez ça une fois de plus dans 5 ans, vous direz, mais il dit n'importe quoi, parce que les choses auront changé. Donc imaginons, donc je vous donne une petite énigme, imaginons que vous êtes des game designers, voilà, dans une entreprise moyenne, donc pas une petite entreprise, c'est même pas un double A,
de création de jeux d'aventure. Voilà, parce qu'on va parler de jeux narratifs, donc de jeu, un jeu d'aventure narratif. Et pour le même budget, vous devez proposer à votre patron, qui vous octroie un budget pour le jeu, plusieurs types de structures narratives. Et le but, c'est d'en choisir une où on gagne le plus d'argent possible. J'ai pas dit que vous fassiez le meilleur jeu, j'ai dit que vous fassiez le plus d'argent possible. Donc, vous avez trois possibilités. La première possibilité, c'est un jeu très linéaire, donc super linéaire. Vous imaginez un jeu couloir d'aventure qui dure 3 heures. Ça, c'est la solution A. La solution B, vous avez un jeu qui n'est pas couloir, il n'est pas linéaire, mais il y a deux grandes versions alternatives. En gros, au début du jeu, vous pouvez prendre un personnage ou l'autre, avoir une attitude ou une autre, et en gros, vous avez deux structures d'aventure qui utilisent les mêmes assets, donc on gagne un peu d'argent, mais du coup, comme il y en a deux, en gros, l'aventure, elle dure 1h45 au lieu de durer 3 heures. Ça, c'est la solution B. Et enfin, la solution C'est un jeu plus petit. Alors, je vais dire un mot, donc ne bondissez pas en disant « Ah, parce que c'est mieux ». Donc, un jeu plus petit, c'est un jeu procédural dans lequel il y a plein. Il n'y a pas une grande trame narrative, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a plein. Plein parce que c'est procédural. Par contre, elles durent chacune 10 minutes. Donc en fait, vous lancez le jeu, vous jouez un peu comme un jeu mobile, voilà. Vous jouez 10 minutes, vous avez terminé votre aventure. Donc, vous avez ces trois possibilités, laquelle vous semble la plus consistante et pourquoi ? Voilà. Donc ça, souvent, je fais réfléchir les élèves sur le sujet. Et ce travail, en fait, il permet de réfléchir en attendant, je comble un petit peu en attendant vos réponses, ce travail permet de réfléchir sur non pas sur la méthode de commercialisation des jeux vidéo, mais aussi la méthode de prescription des jeux vidéo, qui est très très importante. Alors, on me dit par exemple procédural car récit histoire infinie. Certes, mais pourquoi un récit, une histoire infinie sont plus intéressants qu'une belle aventure linéaire, par exemple? Enfin, ou plutôt ferait plus d'argent, voilà. Non, les gens répondent ce que je n'espérais pas, c'est-à-dire qu'ils disent c'est procédural. Ça suffit pas de dire procédural. Si ton patron, tu vas dire c'est procédural, il va dire et alors, je vais gagner plus d'argent? Ça suffit pas, tu vois. Ah, ZadFR, donc son nom rentrera dans l'histoire, il dit Twitch. Exactement, effectivement, Twitch. Donc, il y en a qui disent A parce que c'est accessible. A, alors, c'est une très bonne remarque, effectivement. La solution A, ce sont les jeux qui sont souvent dits d'accès. C'est-à-dire que c'est pas con de faire un jeu hyper linéaire couloir parce que ce sont des jeux, comment dire... En fait, les gens qui n'ont jamais joué à des jeux vidéo, c'est un super marché. C'est un très bon marché. Je vais vous le démontrer pourquoi. En gros, on arrive dans une période où 100% des Français, ils vont jouer à un jeu vidéo dans leur vie. Ils ont une espérance de vie d'environ 70 ans. Il y a 70 millions de Français. Si vous faites le calcul, ça veut dire que chaque année, il y a 1 million de Français qui va jouer à un jeu pour la première fois de sa vie. Donc, effectivement, faire des jeux hyper accessibles, c'est un très bon marché. Voilà. Après, il y a beaucoup de gens sur ce marché-là. Donc, vous argumentez tout. Donc, il y a des gens... Par exemple, Quickie me dit la seconde a les deux alternatives parce que 10 minutes, c'est trop frustrant. Voilà. Et Shanab, excusez-moi, me dit un jeu de 3 heures, tu peux faire une suite. Réponse 1, car le grand public ne peut pas se prendre la tête. La C, car beaucoup n'ont pas 2 heures à consacrer à un jeu. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'arguments intéressants. Donc, je vais vous dire les trois. En fait, il faut procéder par élimination. Parce qu'il y a deux choses là-dedans qui s'éliminent, c'est-à-dire qui sont inacceptables. Donc, la A, elle est inacceptable pour la raison suivante, c'est que à un moment, vous allez faire votre jeu et vous allez le faire, vous allez investir de l'argent, vous allez faire, si en fait vous faites un jeu hyper linéaire, vous allez peut-être faire de la motion capture, des trucs comme ça, vous allez sortir votre jeu et à un moment, vous allez être obligé de faire de la promotion, de la pub pour votre jeu. Aujourd'hui en pub, il y a quoi comme possibilité? Vous pouvez en parler sur Twitter, super.
Vous pouvez faire un trailer YouTube, ok. Vous pouvez demander à un YouTuber célèbre de jouer à votre jeu. Vous pouvez envoyer des communiqués de presse. Et vous pouvez demander à un bon streamer de faire votre jeu. Donc en gros, si vous êtes une célébrité, bon, c'est facile, tu vois. Après, la presse, malheureusement, elle a très peu d'impact sur les ventes aujourd'hui. Ça peut changer dans le futur, mais aujourd'hui, la presse n'a pas d'impact sur les ventes. C'est-à-dire que si vous dites « je vais faire un jeu » et la presse, elle va être trop ouf et on va être en pleine page du monde et vous allez voir, vous allez faire zéro vente. C'est pas du tout la bonne stratégie pour le moment. Même si la presse, là on pourrait rentrer dans des strates de discussion sur le marketing, elle a un impact fort sur ce qu'on appelle l'awareness. C'est-à-dire que tu auras entendu parler d'un jeu, tu sauras s'il est bien ou pas. Parce qu'il y a l'awareness de l'influence, mais il ne va pas forcément déclencher l'acte d'achat. Il y a quelques années, YouTube était très très important. Et aujourd'hui, ce qui est très important, c'est Twitch. Twitch, c'est la vie et la mort des jeux vidéo. C'est-à-dire que si votre jeu, il est Twitché, normalement, c'est que vous en vendez. Voilà. Twitch, en fait, fait énormément passer à l'acte d'achat. Le problème, c'est que si vous créez un jeu très linéaire, vous allez, en fait, les gens vont consommer votre jeu par Twitch. Ils vont voir le streamer le twitcher et à aucun moment ils vont se dire « What if je prends les commandes du jeu et je modifie les choses ?» À aucun moment ils vont se dire « Ah ah, c'est trop marrant, moi je vais faire la même chose mais je vais plutôt faire ça. » Tu vois, puisque en fait il est linéaire, tu vois. Donc ils vont passer un bon moment, mais ils vont le consommer comme un film qu'ils n'auront pas acheté puisque ce sera un streamer qui le fera. Donc avec ça, vous ferez peut-être des ventes s'il y a des planètes qui s'alignent, mais en fait vous en ferez peu. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter dans le design narratif. Ça peut changer dans le futur. Donc ensuite, alors Ken Lin me dit, après Twitch, c'est un public orienté e-sport en majorité. Aujourd'hui, Twitch, c'est le moyen de prescription le plus important. C'est-à-dire que aujourd'hui, et même quand je dis aujourd'hui, je devrais dire le passé, c'est-à-dire il y a 3-4 ans, en fait, on a dit Twitch est le décideur. Et à ce titre, on va faire des jeux qui sont twitchables. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre game design, quand vous allez vendre votre concept, il va falloir dire « mon jeu, il passe bien sur Twitch ». Mais même plus, c'est-à-dire qu'il va falloir, si vous êtes très, très alerte sur le marché, c'est-à-dire que, par exemple, je dis une bêtise, hein, mais je vous donne un exemple théorique. C'est que si, par exemple, TikTok, aujourd'hui, il y avait des jeux vidéo qui étaient dessus, il faudrait dire « TikTok, c'est le futur et on va faire un jeu qui passe sur TikTok ». Et il va falloir être toujours extrêmement au courant des moyens de prescription qui sont montants et qui ont beaucoup d'avenir, parce qu'en fait, vous allez baser votre architecture de jeu sur Twitch. Après, comme le dit Cosite, est-ce qu'on ne risque pas de développer des jeux uniquement twitchables ? Il y aura une diversité de marché. Mais là, la question que je posais, question initiale, c'était comment faire de l'argent avec un jeu vidéo. Voilà. Donc du coup, je suis obligé d'exclure le jeu linéaire. Ensuite, le jeu qui dure 1h45 avec deux alternatives, je l'exclus également. Pour quelle raison ? C'est parce que déjà, quand vous avez un jeu qui a deux grandes alternatives, il a une très faible chance que des gens y jouent les deux alternatives. Pour la raison suivante, c'est que bon, ça va être les mêmes assets d'une part, et d'autre part, les alternatives ne seront pas forcément flagrantes, on va dire à jouer si tu veux. Et surtout, quand une personne termine un jeu, il n'a pas envie de recommencer depuis le début. Il a envie de passer à un autre jeu parce qu'aujourd'hui, il y a une énorme offre, ce qui n'était pas le cas d'avant. Donc, on va dire que l'alternative, c'est-à-dire que votre jeu, il fait pas virtuellement 3 heures, il fait 1h45. Et le problème, c'est qu'en fait, un jeu de moins de 2 heures, ben, les gens ils peuvent demander un refund sur Steam, par exemple. Donc, en fait, vous êtes sûr que des gens vont acheter votre jeu, ils vont y jouer, ils vont se faire rembourser. Voilà. Ça, c'est enfin, en gros, c'est ça. Et j'ai mis 1h45, c'est pour ça. Alors ça, Steam, il a une politique variable. Demain, il y aura un autre store qui sera dominant et où ce sera un store mobile. Et il aura aussi des petites conditions comme ça. Ce qui fait que donc la première leçon, c'est de vous dire quel est le mode de prescription. Et la deuxième leçon, c'est quel est le mode de commercialisation. Et si vous avez ça en tête, vous pouvez commencer à travailler. Voilà. Et donc, il ne reste plus que la troisième possibilité qui n'est pas forcément bien. Mais en tout cas, excluant les deux premières, on est obligé d'arriver sur la troisième. Donc voilà un petit peu l'idée, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis là pour vous raconter comment, au moins dans ce premier cours de narrative design, comment on aborde des projets de création de jeux vidéo dans l'optique de créer des propriétés intellectuelles, de les rendre pérennes et même de leur avoir du succès, ce que je vous souhaite. Donc je voulais revenir un petit peu sur mon parcours d'abord. Donc moi je suis ingénieur bâtiment.
J'ai pratiquement pas fait de code dans ma vie. Et enfin, si je codais du basique comme ça quand j'avais 12 ans, quoi. Et je code très mal. Et ceux qui me suivent depuis plusieurs années m'ont vu coder pendant des années en direct du PHP. Ils savent à quel point je code très mal. Tout ça pour vous dire qu'on peut ne pas savoir coder, faire du jeu vidéo simplement en le voulant. Et à ce titre, donc j'ai commencé. Alors, j'ai pas toujours été Fibre Tigre. Fibre Tigre, il existe depuis 2011, je crois, ou 2012. Mais j'ai commencé en 2001, j'ai fait mon premier jeu, qui était le premier jeu de la fiction interactive, la nouvelle scène de la fiction interactive française. On n'était pas beaucoup à l'époque, et en fait, la fiction interactive textuelle, donc c'est des jeux uniquement textuels, ce qui est intéressant, enfin, ce qui m'avait motivé à l'époque, c'est qu'on m'a diagnostiqué un glaucome, je commençais à avoir des problèmes de vue. Et en fait, ce sont des jeux qui sont accessibles à un marché qui est intéressant, qui est le marché des aveugles. Des malvoyants, excusez-moi. Et du coup, effectivement, j'ai un de mes jeux qui est intégré dans le système d'exploitation des malvoyants. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait qu'un. Donc, c'était le mien, en français. Et donc, j'ai fait des petits jeux comme ça chaque année. Et c'était assez intéressant parce que si un jour, enfin, si vous voulez faire du jeu vidéo, la scène de la fiction interactive textuelle, elle a ceci d'intéressant, qu'elle est expérimentale, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, et surtout elle est extrêmement facile à mettre en place. C'est-à-dire que vous pouvez faire des jeux en 1 heure, à tel point qu'il y a des compétitions qui s'appellent la One Hour Camp, qu'on fait parfois, dans lequel on prend 3 mots sur Wikipédia et on fait un jeu en 1 heure. Je reviendrai très amplement, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. J'ai eu un premier jeu qui était. Alors, j'ai gagné un prix du public en 2001. J'ai un premier jeu qui a été mis dans un musée de la Maison d'ailleurs, c'est en Suisse, en 2006. J'ai fait des petits jeux. Après, en 2013, j'ai sorti avec Miklo et Mickaël, mon associé, que j'aime beaucoup, que je fais des bisous, Out There. Voilà. Aujourd'hui, on a entre 800 000 et 1 million de ventes, donc c'est bien. Ensuite, on a sorti Out There Chronicle, qui est de la fiction interactive, Sigma Theory. J'ai game designé un autre jeu qui s'appelle Eugenics, que j'aime aussi. Voilà. Et Out There a eu tellement de prix que je vais, voilà, je vais pas les citer. Voilà. Et le dernier point, j'arrête maintenant, j'arrête désormais de faire. J'ai arrêté le jeu vidéo parce que c'était très fatigant. Voilà, j'ai plus l'énergie. Donc, et néanmoins, parce que si vous voulez, il y a toujours un autre jeu à faire, un autre jeu pour aller plus loin, mais à un moment, il faut s'arrêter, parce que c'est très très fatigant. Peut-être que j'en ferai dans mon coin. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce que j'ai fait des jeux expérimentaux, j'ai fait des jeux commerciaux, et j'ai fait un jeu aussi, là j'ai fait un jeu qui s'appelle One Family, qui a été exposé au Luxembourg et à Gloucester, voilà. Et là, j'ai un autre jeu qui va être exposé bientôt. À Paris cette fois-ci. Enfin, je suis exposé en France. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut avoir plusieurs aspects dans le jeu vidéo. J'étais aussi jury au CNC pour l'approbation des dossiers financiers. Il y aura toute une partie dans ces cours pour la validation des dossiers financiers. Donc tout ça pour vous dire que comment vous dire, j'ai fait des jeux vidéo. Enfin, la scène expérimentale est très bonne. Elle va vous apprendre plein de choses. Il va falloir désapprendre des choses quand vous arriverez sur la scène commerciale, et après la scène artistique, c'est un peu le fin du game, mais par contre il y a moins d'argent. Voilà. C'est un bon secteur, le jeu vidéo, si vous voulez écrire, vous avez des histoires plein la tête et que vous voulez gagner de l'argent. Voilà. C'est un peu le diagramme de Venn. C'est-à-dire vous avez les deux. Par contre, vous ne serez pas très, très considéré en tant qu'auteur, et je vous en parlerai. Pourquoi je vous parle de mon parcours? Alors sachez que je vous ai parlé de mon parcours aujourd'hui, et c'est quelque chose dont je ne parle jamais. Voilà. Parce que. Déjà, ça remonte à une période où j'étais pas forcément fibre tigre. Et j'en parle parce que, en fait, je légitimise un petit peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on peut affirmer blanc ou noir de façon très péremptoire dans le jeu vidéo, sans pour autant, sans argumenter. Et même en argumentant, on ne sait pas si c'est une vérité. Là, je dis, ok, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, avec ce que je sais, j'ai fait ça. Voilà, donc prenez-le ou ne le prenez pas. Voilà. Donc même si j'aimerais vous commencer directement par la fiction interactive, l'interactivité, tout ça, je vais être obligé de vous parler de l'écriture linéaire. Alors je ne vais pas vous parler de littérature. Donc l'écriture linéaire, c'est tout simplement le fait d'écrire une histoire, comme on faisait une dissertation en cinquième. Alors c'est pas un cours de littérature que je vais faire parce que je n'ai pas la compétence. Par contre. Je vais vous faire de l'écriture linéaire appliquée au système de jeux vidéo. Voilà.
Donc là, souvent on me demande, j'aimerais devenir narrative designer. J'aimerais raconter des histoires dans le jeu vidéo, ou de façon plus large, j'aimerais travailler dans le jeu vidéo. Comment faire? Donc vous avez vu mon parcours, ingénieur bâtiment, voilà, on peut venir de n'importe où. Et faire des écoles, il y a des bonnes écoles, il y a des écoles moins bonnes. Mais en tout cas, les écoles pour moi qui m'ont le plus marqué positivement, ce sont des écoles dans lesquelles on fait beaucoup de projets. C'est-à-dire que y a des écoles comme l'ICANN, par exemple, où j'ai une affection particulière parce que j'ai travaillé plusieurs années avec des gens qui sont sortis de l'ICANN. Donc c'est à Paris. C'est une école où tu rentres et tu fais quasiment un jeu vidéo tous les 3 mois. Et à la fin de chaque année, tu fais un jeu vidéo genre pour passer ton année, tu vois. Et à la fin des 3 ans, tu fais ton projet, qui est parfois exceptionnel, tu vois. Et du coup, effectivement, bah, je sais pas, en 3 ans, tu as fait, 10 jeux, t'as fait je sais pas, 12 ou 13 jeux, tu vois, plus les game jams, tout ça. Du coup, effectivement, tu as 23 ans, tu as déjà fait plein de jeux avec une équipe, tu sais exactement ce que tu aimes ou pas. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà. Après, j'ai une vision d'indépendant, tu vois, sur le sujet. Et je pense que si j'étais un recruteur d'une grosse société, je dirais non, non, c'est bien des cours de game design, tout ça, donc c'est un petit peu particulier. Donc, la chose que j'ai à dire déjà, c'est que, et souvent le conseil que donnent les grands narrative designers, je pense à Emmanuel Corneau par exemple, qui a fait Event Zero, donc c'est bien de connaître plein de choses. Enfin, vous pouvez venir d'un autre secteur d'activité, vous pouvez être médecin. Par exemple, les médecins sont souvent écrivains. Voilà. Vous pouvez être avocat, peu importe. Avocat, vous connaissez bien les règles, voilà. Donc vous avez de bonne mémoire. Donc il y a plein de métiers qui en fait vous façonnent au métier de game designer sans le savoir. Et de narrative designer, n'en parlons pas. Et par contre, outre l'origine et la structure de la scolarité, je donne des recettes pour travailler son talent. Voilà. C'est-à-dire que vous allez devoir écrire, écrire, écrire des phrases. Ça, c'est votre métier, contre de l'argent. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens écrivent pour rien, donc c'est assez difficile de se démarquer, même si dans le jeu vidéo, il n'y a pas forcément beaucoup de talent, il faut le dire. Moi, pour travailler son talent, je dis à mes élèves, il faut que vous écriviez. Vous voulez devenir écrivain dans le jeu vidéo? Ben, écrivez. Voilà. Et il faut écrire tous les jours. Moi, je crois. Alors, tout le monde n'est pas Stephen King qui écrit Le Fléau à 21 ans, tu vois. Donc, je crois qu'on est tous un peu sur la même ligne de départ, tu vois, en termes de talent dans le jeu vidéo, enfin, dans l'écriture d'histoire. Et que le kilométrage, ça va faire votre différence. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'écris 50 000 mots par mois. Donc c'est l'équivalent c'est le NaNoWriMo quoi, donc c'est l'équivalent d'un petit bouquin. Alors ça a l'air beaucoup et pas beaucoup en même temps. Enfin en ce moment je fais plus que 50 000 mots, mais 50 000 mots c'est pas énorme, c'est-à-dire c'est 10 feuilles à 4 par jour. Franchement quand vous avez le rythme, ça fait c'est 4 heures de travail, tu vois. C'est une référence un peu trop élevée pour nous tous, mais Gabriel Garcia Marquez disait que lui il travaillait pas plus de 6 heures par jour. Donc, en gros, effectivement, alors je ne dis pas écrivez 50 000 mots par mois à partir de maintenant, tout le temps, c'est-à-dire vous allez monter en puissance, mais en gros, effectivement, idéalement, il faut que vous ayez déjà de base une capacité de travail, parce que quand vous allez signer un contrat, vous allez devoir livrer 60 000 mots, 100 000 mots, enfin, on en parlera, mais, ou 30 000 mots bien fait, tu vois. Donc, du coup, la quantité, c'est un truc un peu d'âne, c'est-à-dire bêtement, on écrit, ben en fait ça marche. Voilà. Et je dirais, avant j'avais même ces mots un peu cruels, je disais à partir d'un million de mots, vous pouvez commencer, vous pouvez tout jeter et commencer à réécrire. Bon, mais en fait, en vrai, il faut écrire. Voilà. Après, comment dire, vous n'êtes pas obligé d'écrire dans le vide, c'est-à-dire écrire pour écrire. Vous pouvez utiliser tout ce que vous allez écrire comme des petites marches d'escalier qui vont vous hisser plus haut. C'est-à-dire que si vous écrivez tous les jours une page de votre ou 10 pages d'une fanfic sur Wattpad, ben en fait
vous allez en écrire plein, et à un moment, déjà, vous serez bon, et en plus, vous aurez écrit plein de fanfics, tu vois. Si tous les jours, vous vous faites chier à être sur Twitter, et que l'objectif, c'est pas de raconter votre life, c'est de faire un tweet qui va avoir des retweets, alors c'est super cynique, mais en fait, Twitter, c'est un radio crochet, c'est-à-dire, t'es bon, t'as des retweets, tu peux dire, oui, il y a des gens, ils font des bons tweets, mais ils sont pas si retweetés que ça, mais non, en fait... L'idée, c'est que le talent et la séduction du grand public, c'est deux choses pas forcément corrélées. Et effectivement, si ton but, c'est de faire des choses qui vont être repérées par des éditeurs, qui vont être vendues, bah en fait, Twitter, c'est un excellent terrain de boxe, quoi. Voilà, où tu te bats avec des gens, tu vois les gens qui marchent bien, c'est quoi leur technique, ils marchent comment, ils arrivent à retravailler leur typographie, leur langage, leur ponctuation même. Tu vois, moi, quand je fais des tweets qui commencent par une majuscule ou pas, bah en fait, c'est réfléchi. Et ben, si tu maîtrises ces codes-là, en fait, tu es dans l'air du temps, tu vois, et ça, c'est cool. Et si tu veux, les éditeurs aujourd'hui, moi, par exemple, une maison d'édition comme Bragelonne, qui publie de la fantasy, donc c'est un peu... Nous, on est un peu dans l'univers de la fantasy, tout ça. Bah, ils ont une éditrice à temps complet qui est sur Wattpad, voilà, qui regarde les fanfics parce qu'ils veulent pas laisser passer le prochain Fifty Shades. Et ils savent que, là, dans cette mine de charbon, bah, y a un diamant, quelque part. C'est peut-être vous, voilà. Donc, en fait... Ce que je voulais vous dire, c'est que à la fois il y a cette idée de travail hyper abrutissant de il faut écrire, voilà, et à la fois c'est pas parce que vous écrivez comme un abruti que vous n'êtes pas obligé de le faire dans une stratégie qui va permettre à un moment d'avoir un bon portefeuille d'histoire, quoi. Voilà. Donc voilà, je vous invite à faire ça. Je vous invite parce qu'on en parle dans le chat. Alors, il y a deux types de professionnels du jeu vidéo. Donc, il y a les professionnels du jeu vidéo qui... Enfin, les professionnels du scénario qui ont leur Bible, qui ont lu le mythe du héros, je sais pas quoi, là, je sais plus qui, et les manuels, tout ça. Moi, je marche sans manuel. C'est-à-dire, je vous dis, si vous lisez des manuels, des méthodes, en fait, vous ferez comme ces gens-là. Et ces gens-là, il y en a déjà 1 million sur le marché. Voilà. Si vous les envoyez se faire foutre, si vous développez votre voix, vous serez excellent. Et ça, je l'ai appris auprès d'une graphiste avec laquelle j'ai fait un travail à la Villa Médicis. J'ai fait un livre dans 7 euros à la Villa Médicis avec Fanette Mélier. Et Fanette Mélier, elle m'a dit, moi, il y a deux choses. Je ne regarde jamais les méthodes. Je ne regarde pas ce que font les autres. Voilà. Parce que je ne veux pas être influencé. Je ne veux même pas être anti-influencé. C'est-à-dire, je ne veux pas voir un truc et dire, tiens, je vais faire différent. Je vais faire mon projet. Donc, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais moi, si vous me disiez, t'as fait comment ? Bah moi, je dis, de toute façon, j'ai pas le temps de lire. J'écris, tu vois. Et souvent, la blague que je fais, c'est, si j'ai pas le temps de lire, bah je me relirai, tu vois. Voilà. Donc, je vous invite à développer votre voix. Et je vous invite aussi pour moi. C'est-à-dire que moi, je rêve de lire des histoires nouvelles. Je rêve de rejouer à des jeux vidéo nouveaux. Et je me remets à vous, parce que j'ai plus la force de le faire. Et donc, je vous demande... de pas être un another scénariste Netflix qui fait une série Netflix très calibrée, quitte à faire même du mauvais, tu vois, je veux que vous fassiez du nouveau, voilà. Donc ça, c'est ma vision. Après, 1 million de professeurs vous diront quelque chose de différent. C'est pour ça d'ailleurs que, à la fois, c'est aussi intéressant que je partage mon expérience, puisque au moins je vous dis quelque chose de différent. Donc dites-vous bien qu'il y a beaucoup d'auteurs dans le milieu de la BD, dans le milieu du roman, dans le milieu du jeu de rôle, qui fonctionne, enfin le jeu de rôle c'est tellement peu d'argent que c'est pas très intéressant, ou dans le jeu vidéo, qui fonctionne sur la prépublication internet. C'est-à-dire qu'en gros, imaginez vous êtes en train d'écrire le nouvel Harry Potter, c'est pas grave si vous le prépubliez sur internet, au contraire. C'est-à-dire que ça n'affecte pas les ventes finales. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas que vous soyez dans les deux postures débiles, qui sont de dire, si je le mets sur internet, personne n'en voudra, parce qu'il est déjà libre accessible à tous. Bah, déjà, vous pouvez toujours l'enlever. Voilà. Et la meilleure preuve, c'est que... Voilà, Aria, par exemple. Et le deuxième truc, qui est très marrant, c'est que quand on commence à écrire, on pense que nos idées sont géniales. Alors, spoiler, pas du tout. Et surtout, on se dit, j'ai une idée tellement géniale que si la moindre personne le sait, elle va prendre mon idée, elle va faire un truc, un bouquin, et là je vais me faire baiser et tout, et il va faire des millions, et moi il aura pris mon idée, j'aurai trop mal. Alors pas du tout. Sachez que souvent votre idée, d'autres l'ont déjà eu, enfin
quasiment toujours. Et en plus, une fois, enfin, quand vous avez une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous allez voir à quel point c'est extrêmement difficile de convaincre les gens, votre éditeur et n'importe quel beau lecteur, que c'est une bonne idée. C'est vraiment extrêmement dur. En fait, quand votre idée, c'est un peu comme votre enfant. Vous savez, les parents qui disent « Mon enfant, il est génial et toi, tu peux pas supporter parce que du tout, c'est un enfant complètement ordinaire. » Les idées, c'est la même chose. D'ailleurs, tu trouves ton idée géniale, tout le monde dit « Ouais, ok, super. » Et en fait, ils s'en foutent. Donc, surtout, en fait, ne gardez pas vos idées dans un coffre-fort parce qu'elles vont mourir. Voilà. Au contraire, développez-les. Et je vais même aller sur le terrain juridique. C'est-à-dire que si vous avez une idée géniale et que vous en faites un tweet en disant moi, c'est ce que je fais parfois, hein, je vous le dis. Hein. Donc vous dites j'ai une idée d'une série où. C'est un tweet que j'ai fait en 2012. J'ai une idée d'une série télé dans laquelle c'est un virus informatique qui, quand tu l'as, il envoie ton mot de passe à tous tes contacts. Ce qui fait que tout le monde peut voir ta boîte mail. Et quand les gens regardent ta boîte mail, eux aussi, ils envoient leurs contacts et du coup, tout le monde, puis il n'y a plus de secret pour personne. Et donc ça, c'est par exemple une idée. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'ai écrit. C'est-à-dire que si demain, ça sort, en fait, ce tweet, c'est une preuve d'antériorité. C'est-à-dire que vous avez démontré qu'en 2012, vous avez eu cette idée-là. Voilà. Alors après, il y a tout un tas d'obstacles qui font que ça va être compliqué pour prouver que... ça va coûter cher, donc vous le ferez pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez une preuve, vous avez matérialisé une preuve d'antériorité, et bien qu'il faut des constats d'huissier juridique, bien qu'il faut de l'INPI, etc., enfin de la SACD plutôt, ça on en parlera un moment. En fait, il faudrait démontrer que quelqu'un a hacké Twitter et a mis cette histoire, enfin, c'est ce qui est pas possible. Donc, moi, je vous invite à ne jamais, jamais garder vos idées pour vous parce qu'elles vont mourir. Voilà. Si vous avez le temps, développez-les. Surtout en ce moment, on est en confinement, donc faites-le. Et c'est une idée qui reviendra très souvent. Pour citer le boss de BioWare qui a fait une conférence à la Cité des Sciences, il a dit, si vous voulez travailler dans le jeu vidéo, si c'est votre rêve, votre projet, vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous y mettre dès ce soir, parce que les outils sont gratuits, avec les outils sont super accessibles. Voilà, donc c'est vrai, et je vais encore plus loin, je veux dire, si votre but c'est d'être narrative designer, vous n'avez aucune excuse pour ne pas écrire une histoire dès ce soir. Voilà. Donc allez-y, surtout que nous, il nous faut juste un Word. Moi, pour travailler encore plus vite, je le lève un peu, je travaille avec un clavier Beppo, voilà. Donc pour écrire encore plus vite, de façon compacte, donc d'avoir plus de temps libre. Donc voilà. Donc en faisant une métaphore, en disant que vous voulez devenir un pro de la structure linéaire, on va dire que vous êtes des athlètes. Donc vous avez cette idée de je fais un marathon. Enfin je suis marathonien et du coup c'est pas anormal de faire un marathon toutes les semaines. Donc vous êtes un écrivain, c'est pas anormal d'écrire tout le temps. Voilà. Donc cet aspect travail. Et il y a un aspect régime, c'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes marathonien, vous ne pouvez plus manger du McDo tous les jours. Vous pouvez manger, peut-être vous pouvez, j'en sais rien, je ne suis pas marathonien, en tout cas vous ne pouvez pas vous permettre de manger n'importe quoi. Et donc du coup, vous ne pouvez pas, moi ce que je dis c'est qu'il faut manger diversifié. Donc déjà, vous arrêtez de jouer à n'importe quel jeu, c'est-à-dire que quand vous allez jouer à des jeux vidéo, ou quand vous allez consommer des œuvres, c'est fini, vous pouvez vous octroyer un petit moment pour consommer pour le plaisir, mais c'est fini de dire je consomme ce que je veux, tu vois. C'est que votre effort de consommation de produits culturels, il va servir votre travail. Donc déjà dans le cadre des jeux vidéo, c'est anormal de passer plus de 100 heures sur un jeu. Voilà. C'est fini 1000 heures de Fortnite, de Call of Duty ou de Elite par exemple. Moi je pense toujours à Daz et Lame qui ont 1800 heures sur Elite, parce que chaque heure que vous passez de trop sur un jeu, c'est un jeu de moins que vous n'allez pas découvrir. Et vous avez une obligation de connaître les jeux vidéo, voilà, d'avoir une culture générale du jeu vidéo. Et vous devez jouer à des
à des simulations de pêche, à des jeux de pachinko, à des simulations hippiques. Vous devez jouer à des visual novels dégueulasses. Vous devez jouer à des petits jeux textuels écrits tout petits. Vous devez jouer à des jeux russes hyper déprimants comme pathologiques. Voilà, vous devez. En fait, vous devez même connaître les histoires qui sont de production, qui sont derrière ces jeux. En fait, vous devez manger diversifié. C'est-à-dire que vous devez retenir. Donc déjà, en fait, vous devez ce que j'appelle faire créer votre bibliothèque d'ouverture. C'est-à-dire que quand vous avez des grands maîtres aux échecs, qui se jouent aux échecs, les premiers coups, ils sont. En fait, les maîtres aux échecs, enfin les grands joueurs d'échecs, les 5 premiers coups, ils les calculent pas. C'est-à-dire que ils connaissent par cœur les structures, les ouvertures. Ils font une ouverture, l'autre il a la réponse à l'ouverture, la re-réponse, etc. Et puis à un moment, le jeu il est dans une structure unique et on peut commencer à travailler. Là c'est la même chose. C'est-à-dire que il faut pas qu'un mec vous appelle et dit tiens, j'ai envie de faire un jeu sur la médecine et vous disiez ok, je vais y réfléchir. En fait, tout de suite, vous devriez avoir votre bibliothèque de coups en disant putain, il y a ce jeu. Il est incroyable, il va le game, on prend ça, on prend ce game design là, on va l'adapter, t'inquiète, mais tout de suite ça devrait sortir. Et ça, si vous n'avez pas ce réflexe-là, c'est que vous n'avez pas encore joué assez de jeux. Donc il faut que vous jouiez à une diversité de jeux très très forte. Et il faut que vous aussi que vous lisiez des livres. Et là encore, alors on me dit par exemple dans le chat, est-ce qu'il vaut mieux privilégier des indés ou des AAA? Des triple A, moi ce que je vous propose pour que ce soit pas trop douloureux, alors non non il faut pas forcément aller dans les indés qui sont géniaux, tout ça, hyper créatifs, non non ce que vous faites c'est que vous prenez Metacritic, vous prenez les 100 premiers et vous jouez aux 100 premiers jeux de Metacritic, déjà vous aurez joué aux meilleurs qui existent, tu vois, si vous les avez tous faits, vous allez aux 100 suivants et ainsi de suite parce que et en plus, vous allez rentrer sur des forums de créateurs de jeux qui vont vous allez voir des prototypes, vous allez voir des jeux qui sont intéressants, qu'on joue entre nous, qui ont développé des systèmes. Vous allez voir aussi des variations, des forks de certains jeux. Ça va en mode what if, tu vois, pourquoi ce jeu qui est meilleur, il a moins bien marché. Donc, en gros, il faut que vous ayez une culture générale du jeu vidéo et effectivement, ça passe par jouer à beaucoup de jeux différents. Voilà, il n'y a pas le choix. Et il y a aussi une chose à faire, c'est que il y a de la même façon qu'il y a une lecture active, il y a une façon de jouer active. C'est-à-dire que il faut jouer à un jeu vidéo en comprenant les points d'amélioration. Parce que c'est de là que va venir votre acte créatif de game design. C'est-à-dire que quand vous jouez à un jeu, vous dites ça, c'est pas très bien. Donc ça, c'est bien d'en faire le constat. Souvent les gens ils s'arrêtent là, ils disent ouais, trop facile, next, tu vois. Non. Donc constater le problème apparent. Deuxième question à se poser, c'est ok, imaginons je suis game designer, qu'est-ce que j'aurais fait? Donc là, tu proposes ta solution, mais concrète, c'est-à-dire que tu vas jusqu'au bout du raisonnement. Le jeu est trop facile, ok. Imaginons que comment on le rend plus difficile? On ajoute ça à. On s'aperçoit que c'est pas si simple, tu vois. Et ensuite, la troisième question qu'il faut se poser, qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, c'est de dire pourquoi. Le développeur, qui a passé beaucoup plus de temps que vous sur le jeu, il l'a constaté, il a trouvé la solution comme vous, mais il ne l'a pas implémentée. Et si vous faites à chaque fois ces trois petites questions, constat, amélioration et pourquoi ça n'a pas été fait, en fait vous allez progresser très très rapidement. C'est-à-dire que vous allez gagner énormément de temps. Énormément de temps. Je voudrais juste vous donner un exemple par rapport au fait d'avoir des bibliothèques de coups dans la tête et des systèmes de game design. Quand on a designé Out There, en fait très rapidement, j'ai dit à Michael, tu sais, on va avoir un vaisseau et il y aura des slots. Et en fait, enfin j'appelle ça des slots aujourd'hui, mais à l'époque je disais des emplacements, je pense. Et on va mettre les moteurs, les équipements, les radars. Donc ça prendra un slot chacun. Et les stocks, ça prendra un slot. Et le stock de marchandises, par exemple, le stock d'or ou je sais pas quoi. Et il m'a dit, mais en fait, l'idée que je vous dis là, elle est très contre-intuitive. Pourquoi? Parce que souvent, quand on design un jeu vidéo, on imagine un vaisseau spatial, on imagine le vaisseau avec tous ses équipements et un petit hangar où on met les marchandises, tu vois. Et donc, cette idée de j'enlève le radar, comme ça je peux mettre une tonne d'hydrogène en plus, c'était contre-intuitif, tu vois. Et en fait, ce que j'ai dit à Michael, j'ai dit, écoute, tu sais quoi, on va pas discuter 1000 ans. Ils ont fait ça dans Frontier Elite 1994, ça marche parfaitement, next, tu vois.
Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand vous jouez à des jeux vidéo des années 80-90, en fait, si vous arrivez à les trouver sur les sites d'Abandonware, si vous arrivez à y jouer, si vous arrivez à prendre du plaisir, en fait, vous n'héritez pas simplement d'un jeu vidéo du passé, vous héritez d'un jeu vidéo du passé qui a survécu par le darwinisme de l'industrie. C'est-à-dire un jeu vidéo du passé qui, par miracle, en fait, il avait trouvé les bons systèmes qui marchaient, et donc, en fait, il vous donne littéralement la solution à vos problèmes. Voilà. Et sachant que les autres jeux sont moins célèbres, ont moins bien marché, parce qu'ils avaient des systèmes qui étaient alternatifs, mais qui n'ont pas une véritable darwinisme. Voilà. Et dans le jeu vidéo, dans les systèmes de game design, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Donc, ne vous privez pas de reprendre, il n'y a pas de honte. Tout le jeu vidéo est basé là-dessus. C'est le cas de la science aussi. Il y a d'autres secteurs où c'est pas le cas et comment dire, on change un peu. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pas normal, par exemple, qu'il n'y ait pas de game designer qui bosse sur des systèmes reprenant le game design de Lemmings, tu vois. Enfin, il y a des grands systèmes qui ont été inventés. Moi, j'aimerais avoir des grands, enfin, des jeux nouveaux qui reprennent ces systèmes anciens. Non pas par nostalgie, mais parce que tout simplement, c'était des principes de game design très forts qui ont marché. Voilà. Donc, avançons un petit peu quand même. Je voulais vous parler d'un problème quand vous allez écrire, surtout quand vous allez écrire pour quelqu'un d'autre. Attendez, je prends une petite gorgée d'eau. Donc, quand vous allez écrire, en fait, je vous racontais quelque chose qui m'arrive souvent. On me dit, ce serait bien de faire une histoire, disons, politique. Okay, donc j'écris une histoire politique et je reçois un coup de fil et mon boss, enfin mon client, on va dire, qui est la même chose, il me dit, écoute, c'est quoi? J'ai vu House of Cards hier, c'est vraiment bien. Fais-moi un truc comme House of Cards. Alors, il faut, comme c'est votre client, il faut lui dire oui, mais en fait, vous n'allez pas le faire. Pourquoi? Parce que le problème de vous inspirer de quelque chose qui vous fait très envie, c'est que quand vous consommez l'œuvre, elle existe déjà depuis quelques années, donc disons que ça a 2, 3 ans, 5 ans. Qu'au moment où elle est sortie, le mec il a bossé dessus pendant 5 ans, et que si vous mettez à vous bosser maintenant, en fait votre œuvre elle sortira dans 5 ans. Ce qui fait que vous avez minimum 15 ans de retard. Si votre idée c'est de dire oh, ça marche trop bien, c'est un trop bon setting, c'est un trop bon concept, je vais faire la même chose, en fait vous allez avoir 15 ans de retard et vous serez plus en. Enfin, vous serez à la ramasse. Je vous dis ça parce que dans cette histoire, vous avez l'impression que mon client, c'est un con. Mais souvent, en fait, c'est pas votre client qui parle, c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire quelque chose et tout d'un coup, vous avez envie terriblement. Je sais pas, vous regardez. Qu'est-ce qui est bien? Vous regardez un vieux film Amblin, genre E.T., et vous dites, mais attendez, l'ambiance Spielberg, c'est trop bien, je vais refaire ça, tu vois. Et en fait, quand c'est bien d'être influencé partiellement, mais si vous en faites votre ligne directrice, tout simplement parce que enfin, c'est votre influence, en fait, vous allez avoir beaucoup de retard dans votre production. Voilà. Donc surtout, enfin, je vous invite à lutter contre ces influences qui sont soit extérieures, soit intérieures. Au niveau de la, comment s'appelle, de la, du fait de consommer des produits culturels. Je dis souvent à mes élèves, n'hésitez pas à vous constituer une bibliothèque de classiques. De classiques. Donc, je pense par exemple à Victor Hugo. Donc, Victor Hugo, c'est un peu vieux, on est d'accord. C'est pas super cool de lire du Victor Hugo, bien même si c'est plutôt actuel. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant? Alors, dans le classique, ce qui est intéressant, alors souvent je présente les choses de la façon suivante. Je leur dirais, imaginez. Chers élèves, chers clients, imaginez que nous ayons à disposition une histoire palpitante que des millions de gens ont adorée, qui est totalement libre de droit, et que personne ne connaît, parce que tout le monde s'en fout, et qu'on peut prendre comme ça, tranquille. Alors, évidemment, c'est jackpot, et en fait, c'est tous les classiques. Tous les classiques. Moi, les gens connaissent tellement peu les Victor Hugo, par exemple. Que moi, ça m'arrive dans mes fictions de prendre des morceaux de Victor Hugo, de les plagier,
Et on a comment ça s'appelle? Les gens disent waouh, il écrit trop bien. Bah non, voilà, c'est pas tout à fait, tu vois. Donc, comment dire? Rien ne vous empêche de spéculer sur la bêtise des gens. Voilà, c'est d'ailleurs ou l'ignorance des gens. Si après, enfin, libre à vous même de dire, oui, ça, tout ça, c'est Victor Hugo, ça, c'est Jules Verne, ça, c'est Wells, tu vois, parce que ça permet d'être une sorte d'ouverture à des œuvres plus classiques que vous avez remis au goût du jour. Et je parle notamment à la fois dans les détails ou dans les structures globales, dans les intrigues. Enfin, faites-le, et faites-le d'autant plus que si vous prenez des auteurs européens, ça a une dimension patrimoniale que vous pouvez revendiquer. C'est-à-dire, vous vous dites, bah, moi, je fais vivre Jules Verne, tu vois. Et du coup, ça, c'est un excellent argument, très positif dans les dossiers de financement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà, la dimension patrimoniale, et aussi dans les communiqués de presse, par exemple. Après, pour les streamers, c'est encore autre chose. Donc, ça, c'est. Enfin, comment dire, dans votre consommation de choses. Rien ne vous empêche de lire Le Nom du Vent, Harry Potter, peu importe, Game of Thrones, mais de temps en temps, de vous octroyer un classique. Voilà, faites-le. Ce sera pas du tout perdu. Voilà, faites-le. Ensuite, il y a une autre. J'ai vu une citation récemment, je ne peux plus dire qui l'a dit, mais cette personne disait, c'est facile d'être un grand écrivain, il suffit d'avoir 40 ans. Voilà. Alors, c'est vrai qu'à 40 ans, les choses sont faciles parce qu'on est plus fort que les gens de 30 ans, et les gens de 50 ans commencent à être un peu vieux, tu vois. Donc, c'est un peu le pic de la carrière d'une personne. Mais d'une façon générale, dans le fond, quand vous regardez un stream, ou quand vous regardez une œuvre d'art, ou quand vous regardez un jeu vidéo, ou quand vous lisez une fanfic, ou peu importe, l'histoire, elle est intéressante. Mais en fait, ce que vous voulez voir, et ça, on en reviendra souvent, c'est aussi la personne qui a écrit derrière. En fait, il y a une sorte de lien entre vous et cette personne. Et comment dire? En fait, si vous avez vécu des aventures personnelles dans votre vie, si vous arrivez plein de choses, vous écrirez des choses intéressantes. C'est-à-dire que votre travail sera la retranscription de votre vie. Souvent, en fait, les gens qui sont écrivains et qu'on connaît sont des gens qui sont ultra sensibles, ultra. Pourquoi? Parce qu'en fait, le moindre truc qui leur arrive, c'est un drame réel pour eux, immense. Donc, ils sont capables de raconter des choses intenses et des choses qui nous font vibrer. Et donc, je dis à mes élèves, dites oui à la vie. C'est-à-dire, faites vivre des aventures de tout type. De tout type. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vivez des grandes aventures et. C'est grâce à ça que vous serez bon. C'est-à-dire que même si, alors, il y a un paradoxe qui est assez intéressant qui a été mis en exergue par une illustratrice qui s'appelle Thorne. Thorne, parce que Miyazaki, il y a eu une interview sur Miyazaki. Et Miyazaki, en gros, il dit deux choses. Enfin, il dit une chose, il dit ce qui est important, c'est de se balader nu dans la nature, tu vois, faire qu'un avec la nature, c'est trop bien. Mais en même temps, le mec, il travaille 18 heures par jour dans son atelier, tu vois, donc il peut pas faire les deux. Et en fait, c'est ça le paradoxe de Miyazaki. C'est-à-dire que. Je parle du Miyazaki de Ghibli, hein. C'est-à-dire qu'il faut à la fois. Comment dire, vivre, faire l'expérience du monde extérieur et de la société et de grandes aventures. Et à la fois écrire beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est un peu les deux choses à rassembler dans votre vie. Rien ne vous empêche de dire, bon, bah, à partir de maintenant, je suis un aventurier et je reviens dans 5 ans et je commence à écrire. Donc. Mais à vous d'organiser ça. Mais effectivement, dites oui à la vie. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très, très, très important. Alors, j'ai même pas commencé les premiers éléments de travail du narrative designer. Je voulais savoir si vous avez des questions en général ou pas, parce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, mettez at fibre tigre et on répond un peu. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, tout le monde est d'accord avec moi, c'est fantastique. Est-ce que j'ai l'air désabusé? Je suis très fatigué. Voilà. Mais alors, je vais vous dire quelque chose sur le monde du jeu vidéo, c'est que c'est une industrie qui est fatigante, mais c'est une industrie qui est ultra solidaire. C'est-à-dire que maintenant que je suis un peu streamer, je m'aperçois de la violence du stream. C'est ultra violent. C'est un monde vraiment pas très. Heureusement que j'ai mes amis de qualité, parce que c'est un monde très très dur. Par contre, le jeu vidéo, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'industrie est hyper dure. C'est-à-dire que
On se dépense beaucoup, on dépense beaucoup d'argent et finalement parfois on n'a rien. Par contre, tous les gens qui sont là, c'est des gens qui vont t'aider. Même le mec qui va sortir le jeu le même jour que toi, enfin, il va te soutenir, tu vois. Tout le monde se soutient et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ensuite, Cosite me dit, il faut passer du temps à développer son muscle, mais comment on part de zéro? Eh bien, c'est très simple, c'est-à-dire que voilà, si on n'a pas d'expérience en narration, qu'on a une prose vraiment dégueu, mais personne ne s'est levé et est sorti de son lit ou de son berceau et s'est mis à écrire comme Baudelaire. Personne. Je veux dire, tout le monde a écrit de la merde. Tout le monde a commencé par dire tiens, ce dessin animé est trop bien, je vais écrire la suite, tu vois, ou peu importe, tu vois. Tout, il faut simplement. En fait, il faut que soit tu. Ah putain, mais le chat est en pause là, merde. Je vais louper vos questions là. Mais en gros, il faut, comment dire, si vous commencez jamais, de toute façon, bah, vous pourrez jamais l'être. Donc il faut commencer. Et il faut commencer en écrivant une idée que vous avez dans la tête qui est bien. Et vous allez voir, ça va aller tout seul. Et je donne un conseil de façon plus générale. Moi, je l'ai plus. C'est-à-dire que moi. Je m'assieds sur ce fauteuil, c'est instinctif, je commence à écrire, tu vois, dans la seconde qui suit. Par contre, effectivement, j'ai 42 ans, donc quand j'avais, disons, 20 ans, c'était pas pareil. Et c'est assez dur, c'est-à-dire parfois, tu es là, t'es pas motivé. Et moi, je dis, ce qui est très simple, ce qui est le plus dur, c'est les 10 premières lignes. Voilà. Donc, il faut vraiment se forcer. Tu écris les 10 premières lignes, et après, ça coule tout seul. Alors, Wowoto me dit, où peut-on utiliser des compétences de narrative design? Jeux vidéo, JDR, alors là où il y a de l'argent, c'est le jeu vidéo. Après, la notion d'auteur est pas énorme. Donc, si vous voulez être respecté, vous pouvez le faire hier. Mais le narrative design, oui, le jeu vidéo, mais pas seulement. Pas plus tard qu'hier, on m'a demandé des conseils sur un clip vidéo interactif. Voilà. J'ai redirigé vers une consoeur très, 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 très forte dans ce domaine. Et. Également, qu'est-ce qu'on, par exemple, pour des marques, c'est-à-dire que Google un jour m'a demandé de faire une escape room. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Une grande marque automobile m'a demandé de rédiger quelque chose. Enfin, les grandes marques, de toute façon, elles ont besoin de passer par des storytellers, donc ça peut être nous, mais ça. Il y aura une dimension interactive tôt ou tard. Et même dans le futur, je vais utiliser un mot que je ne maîtrise pas trop, mais d'environnemental storytelling. Voilà. Donc, Cosite me dit, tu parles de pouvoir faire de l'argent. C'est dans l'idée d'en vivre. Alors, quand je vois les centaines de formations en game design, le peu d'offres en narrative design, j'ai pas vraiment ressenti. Alors, il faut voir que le narrative design, enfin, comment dire, la pire chose à faire quand vous cherchez, enfin, de mon point de vue, quand vous cherchez un jeu vidéo, un travail dans le jeu vidéo, c'est de faire un CV dans lequel vous mettez game designer et vous attendez qu'on vous appelle. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Il n'y a rien de moins sexy que ça. C'est-à-dire que je pense, j'ai jamais regardé un mec qui a un CV d'un mec de game designer, on s'en fout. C'est-à-dire que vous devez être porté par une vision. En fait, vous rentrez dans le jeu vidéo et vous commencez à en faire tout seul. Okay, avec un budget de 0 euros. Vous faites vos classes. Et vous allez être repéré, vous allez commencer à créer un réseau, vous allez être invité dans certains endroits, et vous allez rentrer dans la famille d'une certaine façon. Et là, vous allez pouvoir développer votre talent avec des gens qui vont vous faire confiance. Et à un moment, enfin, tu vois, tu vas commencer à faire des visual novels, par exemple. Tu vas en faire 12, 40, enfin, c'est des gros chiffres. Disons que tu vas en faire non, 10. Voilà. Tu fais 10 visual novels. Déjà, tu en as fait 10, tu vois. Et en plus, ils ne sont pas perdus parce qu'ils sont dans un coin, ils n'ont pas été trop joués. Tu vois, un éditeur peut dire, tu sais quoi, on édite les 10 et on le fait, tu vois. Mais en plus, à un moment, mec, tu as fait 10 visual novels, tu les as fait de A à Z, tu vois. Là, tu as fait des preuves. C'est 10 fois plus fort que dire, moi, je sais écrire et moi, j'ai un diplôme. Parce que j'ai vraiment vu que tu as fait 10 visual novels. Et ça, c'est pas mal. Donc, la seule façon de faire tes preuves dans le jeu vidéo, c'est de commencer à faire des jeux vidéo. Et tu n'as pas d'excuse de dire. Oui, mais comment je rentre dans une entreprise de jeux vidéo? Parce que des game jams, il y en a tout le temps. Des game jams, c'est des événements. Enfin, en ce moment, il n'y en a pas. Mais en gros, une fois par mois à Paris, minimum, bah, même je vais revenir par semaine, tu as des game jams qui sont organisés. C'est des professionnels ou même des candides du secteur qui se rencontrent, qui se donnent un thème et qui essaient de sortir un jeu en 1 heure, en un jour, en 2 jours. Et c'est vraiment. Bon, c'est très stressant. Parfois, il y a des jeux qui sont excellents qui sont sortis. Tu fais connaissance, tu vois ta capacité à travailler, tu vois aussi si t'aimes le jeu vidéo, tout simplement. Donc, enfin, c'est
c'est la seule façon d'approche saine du jeu vidéo parce que pour moi, elle te démontre aussi à toi-même si c'est un secteur dans lequel tu veux travailler. Voilà. Mais voilà, donc je vous invite à vous y lancer de cette façon-là. Descalium me dit, un endroit où on pourrait trouver des liens pour des boîtes de visual novel pour envoyer ton CV à une boîte de visual novel. Moi, je travaille souvent, j'envoie les gens de confiance au Ludographe. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. C'est une boîte à Lille ou à Tourcoing. Mais il y en a plein. Tu tapes simplement Visual Novel France. Mais je te conseille en premier lieu de télécharger un logiciel gratuit comme Twine, comme Pygame, comme. Non, ça s'appelle RenPy, la version Python, ou Inkle. Temps de compréhension du logiciel, 1 heure maximum. Et après, tu peux faire ton propre jeu. Je veux dire, arrêter de. Enfin. Bon après moi je suis j'ai jamais été vraiment salarié donc mais le jeu vidéo c'est un quelque chose de créatif. Enfin arrêtez d'être dans des systèmes où je vais envoyer mon CV, je vais signer un contrat de travail. Non déjà vous allez fonctionner à la mission certainement et surtout rien n'est plus beau que d'être que de travailler pour vous. C'est-à-dire vous allez voir ce que c'est que la frustration de venir. Et vous allez venir avec votre histoire et on va dire non, non, moi je veux une histoire sur la reine d'Angleterre parce qu'on a une OPSP, tu vois. Alors, tu vas le faire, tu vas faire un truc, non, non, mais t'es fou, tu veux écrire ça. Et hop, et en gros, en fait, vous allez être juste un ouvrier qui sert pas des boulons mais qui aligne des mots. Donc, je vous invite dans la plupart de vos moments de n'aspirer qu'à une chose, c'est de faire vos jeux à vous. D'autant plus que la durée de vie, elle est très limitée. C'est-à-dire que vous allez faire un nombre de jeux limité dans votre vie. Et si, dès que vous donnez un de vos jeux, et un de vos temps de création de jeu à une entreprise qui n'est pas la vôtre, et vous faites un jeu qui n'est pas celui de votre vision, et bien c'est un jeu que de moins que vous ferez dans votre vie que vous perdrez pour toujours. Donc réfléchissez bien. Voilà. Question de Cuervinoy, est-ce que le narrative design est un skill qui est transposable dans d'autres activités? Par exemple, marketing ou community manager? Alors, community manager, bien entendu. De toute façon, je suis mon propre community manager. Aujourd'hui, enfin, un peu moins aujourd'hui parce qu'on est en confinement, mais. 99% de mes offres d'emploi que je reçois ou de mes contrats hein, me viennent par Twitter. Pourquoi? Parce que j'ai un Twitter lol. Et pourquoi j'ai un Twitter lol et fat? Pourquoi j'ai plein de followers? Parce que en fait, le matin, je me mets sur Twitter et je dis comment je vais faire rire ces gens-là, tu vois. Et il y a un mec qui rigole pas dans l'histoire, c'est moi, tu vois. Et donc, et encore aujourd'hui, le game, je l'ai complètement lâché. Mais à un moment, j'étais même au taquet sur les heures de publication, le système. Je regardais quand il y avait un tweet qui marchait pas, je l'effaçais. Parce que en fait, c'est tu es littéralement sur un enfin littéralement non tu es métaphoriquement sur un ring et tu es en train de te battre avec d'autres mecs qui vivent de leurs plumes et faut que tu fasses tes classes quoi faut que tu montres que tu es fort voilà. Alors quand tu dis qu'il faut écrire tous les jours et qu'il faut aussi publier, est-ce qu'il faut écrire des histoires courtes et publier sur le même ou avoir un rythme de publication plus modéré? Comme tu le sens. Ce qui est intéressant avec le fait d'écrire des histoires ou des portions d'histoires courtes comme ils font sur Wattpad, ils font des chapitres, c'est que tu vois tout de suite l'impact de ce que tu as et du coup tu peux t'améliorer. Et d'ailleurs, les jeunes sur Wattpad, ils sont hyper bons. C'est-à-dire, ils font du clickbait sans le savoir. Ils font. Enfin, tu vois, par exemple, tu vas sur Wattpad, tu regardes les livres les plus lus. La première page, c'est Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 16 ans. Aujourd'hui, j'ai perdu ma virginité et je vais vous raconter ce qui se passe. Comment ça s'est passé, tu vois. Fin du chapitre. Bah, en vrai, évidemment, moi, j'imagine, j'ai 16 ans, je veux voir la suite, tu vois. Juste, elle fait ça. Mais ce niveau, tu veux dire, ça, on dirait que c'est un adulte qui a fait ça et qui va raconter. Alors que juste, ils sont entre eux, ils sont un peu, ça parle beaucoup de sexe dans Wattpad, tu vois, même s'ils sont jeunes. Mais ce qui est intéressant, c'est que par un darwinisme, par simplement des techniques qu'ils ont appris les uns des autres, ils ont compris ce qui marchait mieux que ce qu'on apprend en cours, tu vois. Donc, rien ne vaut l'expérience personnelle. Je parle de Wattpad, je suis pas hyper fan de Wattpad, mais c'est un bon système pour se présenter comme Twitter, comme Facebook. Là, en ce moment, je mène un jeu de rôle sur Facebook tous les jours. Dans ma routine, je pourrais vous montrer, mais moi, dans ma routine le matin, c'est regarder tous mes comptes Twitter et publier dessus, et poster un post Facebook, et aussi poster un post LinkedIn, tu vois. Donc vraiment, comme une horloge, tous les jours, je fais ça tous les matins, sauf le samedi, dimanche. J'ai droit au repos. Voilà. Donc ça,
C'est même quelque chose qu'aujourd'hui que je fais alors que pourtant j'ai abandonné le game, tu vois. Donc qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il faut se forcer à écrire sans trop se poser de questions? Bah après je sais pas trop ce que tu veux dire, mais effectivement si on, comment dire, en général quand on se pose des questions, on risque de ne pas arriver au bout. Enfin, comment dire? Dans le fond, la création d'histoire, c'est quelque chose de très futile, tu vois. Donc si tu te poses trop de questions, tu diras, attends, mais pourquoi je ne suis pas en train de devenir médecin, tu vois? Donc je te conseille de pas trop te poser de questions. Effectivement, si tu as envie d'écrire et d'affiner ton talent. D'ailleurs, Papayou, bonsoir, qui vient d'arriver sur le chat. Papayou le dira lui-même. Il faut travailler sans cesse pour améliorer son talent. Et je sais que Papayou, par exemple, il a montré ce qu'il. Comment il était il y a 4 ans et comment il travaille maintenant. Mais moi, par exemple, j'ai eu la chance de travailler avec un dessinateur qui s'appelle Asain, donc un dessinateur de BD qui fait des BD extraordinaires. Ce mec-là, en CM2, toute la journée, il dessinait, tu vois. Donc, ça veut dire que si demain tu veux te frotter à Asain, bah, il faut que tu rattrapes tout ce qu'il a dessiné de CM2 à maintenant. Donc, c'est beaucoup de travail, tu vois. Donc, je vous invite à. C'est pour ça que je vous invite à commencer à. Même si vous avez un talent latent en vous, à ne pas négliger le travail régulier. Voilà. Alors, est-ce que ça marche si on pique les aventures de la vraie vie des copains et des copines? On peut se l'approprier correctement? Bah, il faut. Tu peux. Moi, j'ai beaucoup d'histoires qui m'ont été contées par d'autres personnes. Après, quand quelqu'un a une histoire très particulière et qu'elle est vraiment bien et qu'elle est vraiment une signature, je lui demande la permission. Je lui dis, écoute, ton histoire elle est vraiment trop bien, je peux la mettre dans un truc. Ça m'est arrivé une ou deux fois, hein, parce que rien ne vaut tes propres histoires, tu vois, t'es plus à l'aise. Et bah, il faut leur demander, ça dépend. Mais effectivement, souvent, de toute façon, ce qu'on écrit, c'est le reflet de ce qu'il y a autour de nous et ce qu'il y a autour de ce qu'il y a en nous aussi. Donc c'est pour ça que tu peux le faire. En tout cas, c'est pas protégé par la propriété intellectuelle, si ça t'intéresse. Alors ensuite, j'ai Kojima avec un Q qui me dit comment publier ses écrits afin de les confronter à la critique. Alors la plateforme d'élection, va tout dépend de ce que tu veux faire. La plateforme d'élection, c'est Wattpad. Donc Wattpad, voilà. Il y en a peut-être d'autres. Après, si il y a Twitter, c'est costaud, tu vois. Twitter va raconter quelque chose d'intéressant en 280 caractères. Pour moi, c'est le top parce que Twitter, tu peux faire de la fiction, mais aussi des choses réelles, tu vois. Wattpad, c'est quand même assez jeune, hein. Il n'y a pas beaucoup d'adultes dessus. Il y a également dans le jeu vidéo. J'ai plusieurs conseils à vous donner. Donc, j'ai Twine, Twine. C'est un logiciel pour faire de la fiction interactive, très très simple d'accès. Vous pouvez le faire et ensuite vous le mettez sur Twitter. Il y a Renpy, donc Renpy sur Python, c'est la même chose. Inkle, Inkle. Donc ça, c'est un peu le triptyque de l'accès. Il y a d'autres logiciels comme Inform, mais j'en parlerai un autre jour. Il y a un autre truc que je dois vous dire, c'est non. La publication des jeux vidéo, de toute façon, après il y a Itch.io par exemple, il y a des plateformes comme ça où on vous regardera, mais c'est un tout, c'est-à-dire que vous devez avancer de tous les côtés. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Je vous donne des méthodes, on doit s'arrêter d'écouter, pourquoi vous dites ça? Alors ensuite, Praxis Mundi. Si tu devais donner un profil de personne vers laquelle il faut se diriger, type prod, creative director, au sein d'un studio ou même en indé, nous présenter ou proposer des idées, commencer à développer des projets collectifs, lequel serait-ce? En fait, quand vous allez en jam, donc en game jam, vous venez en tant que, j'imagine, puisque vous êtes là, en tant que personne qui va raconter une histoire ou faire le texte du jeu. Donc, vous allez vous retrouver avec un musicien, un codeur, un graphiste. En gros, ça va être et un game designer, même si tout le monde est un peu game designer autour de la table. Donc, en gros, ça, c'est la team cool. Ce sont des gens qui sont jeunes ou même plus vieux, parce qu'il y a tous les âges dans les game jams. Et en fait, vous allez voir comment ça marche. Comment vous allez rencontrer des gens et peut-être vous allez nouer des amitiés. Et vous allez dire, mais attends, enfin, il est trop bien ce musicien, viens, on va faire un truc ensemble, tu vois. Et là, vous allez, c'est la première chose vers laquelle je vous invite à vous tourner. Ne vous dites pas. Tiens, je n'ai jamais travaillé dans le jeu vidéo, j'ai trop envie d'y être. Tiens, je vais aller voir un studio et lui envoyer mon CV. Parce que même si le studio a envie de recruter,
il va pas vous recruter, vous, hein. Ça, c'est pas possible. Si vous avez jamais fait de jeu, jamais fait de jam, si vous savez pas comment ça marche, enfin, sauf s'il est en désespoir total, je vois pas pour... enfin, si vous recrutez, soyez prudent parce que c'est mauvais signe, quoi. Voilà. Donc, commencez déjà par faire des jeux. Faites le test, c'est-à-dire, vous faites un certain nombre de jeux et essayez même de les commercialiser. Ça coûte pas cher de commercialiser, de les mettre sur Steam. Faites toute la procédure jusqu'au bout et vous allez voir que vous allez prendre le virus et vous allez dire: ok, ça n'a pas marché cette fois, je relance et cette fois-ci ça marchera. Et au bout d'un moment, ça marche, tu vois. Donc, vous pouvez faire comme ça. Ou alors, vous pouvez dire: ok, j'ai plus de thunes, je suis à sec, j'ai plus d'argent, mais je sais comment faire. Là, tu peux envoyer ton CV et tu seras pris. Ou encore mieux, tu vas dans une très grosse boîte, hein, je ne les cite pas, mais les très très gros. Tu fais comme beaucoup de game designers, tu fais tes 6 mois, tu fais un an là-dedans histoire d'avoir un petit salaire et en plus tu comprends ce que c'est les méthodes de pro et après hop, tu te relances en perso. De toute façon, tôt ou tard tu viendras, donc c'est le début et la fin. Voilà. Yama Zelka me dit: tu as parlé de faire des jeux pour se faire la main, mais si j'ai envie d'écrire, aucune envie de fabriquer des jeux vidéo, je devrais me pousser quand même. Non, pas du tout. Le seul truc, c'est que c'est mon expérience. Après, je me trompe peut-être totalement. Mais si votre objectif, c'est de dire: moi, je veux écrire et gagner de l'argent avec, il n'y a pas 10 000 pistes. Hein. Tu peux être pigiste. Pigiste, allez. Moi, j'ai, je ne vais pas dire mes tarifs, mais tu vas gagner entre 50 et 100 euros la demi-page ou la page. Voilà où est-ce qu'on en est, tu vois. Ça, c'est tes journalistes. C'est compliqué, hein, déjà, d'être journaliste. Hein. Ensuite, tu veux écrire de la fiction. Alors, en roman, oublie. Personne ne gagne de l'argent en roman. Enfin, peut-être, ok, t'es George R.R. Martin ou la meuf d'Harry Potter, tu vois. Mais si t'es pas fait pas partie de ces 10 élus, et encore, tu vois, le mec de The Witcher, il a pas gagné tant d'argent que ça. Tu fais pas partie de ces quelques élus. En fait, tu gagneras pas d'argent avec les livres. Tu ne gagnes pas d'argent. Moi, quand je me lance dans une BD ou dans un livre, psychologiquement, je me dis: je fais ça pour le CV. Tu vois. Je fais pas du tout ça pour gagner de la thune. Et je considère que l'argent, je regarde même pas l'argent sur le contrat. Je signe, tu vois. Genre, quand ton ego, il me dit: tu préfères 40%, 60%, je m'en fous. Je signe parce qu'il n'y a pas d'argent. Dans le jeu de rôle, il n'y a pas d'argent. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le journalisme, le marketing, la pub, et il reste le jeu vidéo. Où tu vas être un ouvrier, tu vas être un ouvrier de la ligne, tu vas écrire tout le temps. Parfois, un peu comme un graphiste, on va te renvoyer, on va dire: allez, fais-le plus joyeux, tu vois. Tu réécris, écris, et là, par contre, tu seras bien payé. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que si votre objectif, enfin, mon expérience montre que si votre objectif, c'est de gagner de l'argent, bah, plutôt de travailler dans le jeu vidéo, voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites? La création d'histoire n'est-elle pas au contraire hyper vitale pour mettre en récit sa vie et y donner du sens? Je ne sais pas quels sont. Alors, on parlera un moment parce que là, je suis dans une question-réponse et vraiment, je regarde mon fichier, mais j'ai fait j'ai fait un sixième de l'ensemble de mon cours, donc j'ai très très peu parlé. Mais quand on verra dans la création d'histoire, les méthodologies, moi en tout cas, mes méthodologies consistent à m'inspirer du réel. Voilà. Et je ne vois pas comment on peut faire différemment. Donc, si tu arrives à créer des histoires out of nowhere, tu as ma bénédiction, Inward Movement. Alors, Kenny Lil dit: est-ce que c'est un retard irrattrapable? Pas du tout. Parce que, en tout cas, une fois encore, dans le jeu vidéo, en fait, si vous voulez, le kilométrage, il vous permet de développer des techniques qui vont combler votre manque de talent. Après, peut-être vous avez du talent. Il y a des mecs, c'est des génies, tu vois. Il y a des mecs, tu peux pas. Enfin, tu pourras jamais avoir leur niveau, tu vois. Mais, comme on part du principe que vous n'êtes pas des génies et que vous n'avez pas de talent, et je fais partie de ces gens sans talent et sans génie, eh bien, il faut compenser par des méthodes et des routines et des techniques qui vont vous permettre d'émuler un petit peu, de donner l'impression que vous avez du talent. Et donc, et ces méthodes-là, qui seront propres à vous, hein, on dit toujours que voilà, l'expérience n'est claire que celui qui la possède, mais vous ne pourrez pas, enfin comment dire, vous avez besoin de développer vos techniques et ça se fait, à mon sens, à la base par le kilométrage. Voilà. Curvino, penses-tu qu'il y a du narrative design sur les sites d'histoire érotique? On pourra parler de la pornographie dans le jeu vidéo, c'est un secteur avec beaucoup de vitalité économique. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez d'autre? Très content. Bonjour et tout. Dernière... Alors, j'ai une histoire en tête depuis plusieurs années, mais je débute. Est-ce que je devrais commencer à faire mes classes avec cette histoire ou attendre d'avoir plus d'expérience pour ne pas la gâcher? J'hésite fortement. Alors, mon conseil, c'est assez intéressant, c'est de faire ton histoire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis désolé, hein, c'est probablement une histoire pas très bonne. Elle te semble extraordinaire parce que tu la travailles, mais en vrai, quand on va la recevoir, ce sera another histoire parce que, tout simplement, sur le marché des histoires, les autres histoires avec lesquelles on va les comparer, elles ont eu le même destin. C'est-à-dire qu'il y aura eu un mec avec une histoire et ses tourments qui a protégé aussi son histoire comme un petit œuf et qui l'a fait éclore et qui le donne. Et en fait, avec autant de peine et de victoire que toi. Et donc, il faut l'écrire le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que cette histoire, ça va être ta petite marche d'escalier qui va te permettre de créer une meilleure histoire qui sera la prochaine. Voilà. Il va falloir que tu sois encore... il va falloir que tu avances comme ça, petit à petit, avec tes histoires. Et tant que tu l'as pas sorti, ton histoire, en fait, elle va occulter tous les projets qui sont meilleurs et qui viendront après. Et ça, et chaque fois que tu repousses d'un an ou deux, en fait, ces autres projets sont en train de mourir par manque de temps. C'est ma vision. Après, peut-être je me trompe. Qu'est-ce que vous dites ? Quand tu dis qu'il faut une consommation d'œuvres variées, est-ce que ça vaut aussi pour la qualité des œuvres ? Est-ce qu'il faut prendre le temps de consommer même de la faible quantité ou de le haut du panier ? Alors. tout est intéressant. Moi, à un moment, j'ai lu La Compagnie des Glaces, je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'en fait, c'est l'œuvre de science-fiction la plus longue jamais écrite. Et je me suis dit, comment on peut écrire une histoire de 10 000 pages, je crois qu'il y a même 30 000 pages, j'en sais rien, sur le même univers, tu vois. Je me suis dit, comment il fait pour tenir, tu vois. Et en fait, il y a des techniques que j'ai pu trouver dans ce mec-là, chez ce mec-là, donc ça dépend, tu vois. C'est, disons qu'il faut qu'il y a cette idée de lecture attentive qui est de dire, je lis ça parce que je lis ça parce que il a eu des prix. Je lis ça parce que Liu Cixin parce que sa série Amazon sur la forêt sombre va être adaptée par Amazon pour $1 milliard. Tu vois, quand t'as Amazon qui met $1 milliard dans un roman, c'est que il faut le lire. Tu vois, même si c'est pas ton délire la science-fiction. Donc en fait, tu as un devoir de t'intéresser à ton écosystème. Et je vais même vous dire quelque chose, c'est que le jeu vidéo c'était très pénible pour moi. Et à un moment j'ai dit j'arrête. C'était en mois d'août là. J'ai dit j'arrête, je travaille plus dans le jeu vidéo. Et tout d'un coup, j'ai allumé Red Dead Redemption 2 et j'ai kiffé pour la première fois de ma vie depuis très longtemps un jeu vidéo. J'ai adoré. J'ai adoré y jouer. J'ai adoré comme un joueur. Parce que jusqu'à présent, je consommais les jeux vidéo comme un mec qui fait des jeux vidéo. C'est-à-dire que je me posais des questions, j'essayais de comprendre. Et si vous rentrez dans l'histoire, dans la création d'histoire et que vous ne faites pas les choses à moitié, en fait, votre consommation de produits culturels, comme je l'ai dit, elle aura toujours un sens. Elle sera toujours dans le cadre d'un projet défini. Voilà. Donc vous pouvez dire, tiens, j'ai envie de lire des choses de faible qualité, mais qui marchent bien, par exemple. Par contre, lire des faibles choses de qualité qui ne marchent pas, à vous de justifier pourquoi vous voulez le faire. À vous de voir. Alors ensuite, Co-sit. Je dois être un peu stupide, mais je n'ai jamais trouvé ces fameuses jams une fois par mois, alors qu'à chaque fois, les events étaient en attente. La dernière en date, c'était avec le thème des statistiques. À vous de voir, là juste au-dessus il y a Harmony Games qui dit moi je me suis lancé dans le jeu à suite à des Game Jam. Normalement il y en a, tu tapes Game Jam, tu essaies de t'incruster, il y a des meet-up, il y a des écoles qui font ça, la Cité des Sciences fait ça, voilà, il y en a plein. Mais là en ce moment effectivement c'est un peu plus compliqué. Il y en a au moins une par an qui s'appelle la Global Game Jam, voilà, que tout le monde doit participer. Alors, Itak Waka dit moi j'aimerais poursuivre mon roman pour le partager aux gens sur le net, c'est tout, j'aimerais juste voir le retour, ben, c'est très bien. Oz and Company, es-tu meilleur quand tu travailles dans l'urgence, proche de la deadline ou que tu n'as pas le temps de réfléchir? Pas du tout. Moi, je suis optimal quand je travaille une heure par jour pendant 3 ans sur un projet. Voilà. Et du coup, je travaille 900 heures sur un projet et il m'a accompagné, il a mûri avec moi, il est parfait. C'est ce que je fais avec The Beautiful Walk, par exemple, que j'écris en continu depuis 5 ans et j'ai encore 6 à 11 ans de travail dessus. Et ça me fait pas peur du tout, au contraire, ce sont des projets qui m'accompagnent dans ma vie et qui me rendent plus fort. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous me dites d'autre? Si on adore écrire, mais qu'on n'a pas d'affinité avec le code informatique, est-il un métier d'écrivain ou de jeu vidéo où l'on ne fait qu'écrire? Alors, si vraiment tu veux écrire du roman ou du scénario script et que vraiment l'interactivité ça te dégoûte, ne travaille pas dans le jeu vidéo. Mais de toute façon, à partir du moment où tu as de l'interactivité, des embranchements, tu es déjà en train de faire du code malgré toi. Et il y a ce côté de dire, le code informatique, c'est trop dur. Les gens qui disent ça, honnêtement, regardez Twine, regardez Renpy,
Mais dites-vous, ok, je ne sais pas, mais je vais essayer de comprendre. Vous regardez un tutoriel, vous retroussez les manches, mais dans la soirée, vous avez fait votre premier jeu. Dans la soirée, c'est impossible. C'est impossible si vous êtes, si vous écoutez ce que je suis en train de dire sur podcast, si vous écoutez, si vous êtes sur stream, c'est impossible que vous n'y arrivez pas. C'est vraiment ultra à votre portée intellectuelle. Et en plus, une fois que vous l'avez fait, le travail de code dans le cadre de la fiction interactive en branchement de type Twine, hein, je ne parle pas du tout des autres techniques, ou RNP, etc. Le code est une infime partie du travail. Donc en fait, ne soyez pas repoussé par le code. Mais effectivement, si vous dites moi, je bannis le code de ma vie, ne travaillez pas dans l'interactivité ni dans le jeu vidéo, malheureusement, vous passerez à côté de belles choses. Et il y a quelque chose tout à l'heure, j'ai dit. C'est difficile de gagner de l'argent. On peut aussi gagner de l'argent avec la série télé en ce moment, puisqu'il y a un appel d'air. Mais c'est un peu un petit club en France. C'est compliqué. Voilà, s'il faut faire certaines écoles et avoir un bon réseau. Donc c'est beaucoup moins facile que le jeu vidéo. Voilà. Le talent. Alors, Ken Lil me dit, c'est quoi le talent? Bah, t'as des mecs qui arrivent et ils écrivent trop bien. Voilà. Et ils t'écrivent une phrase et ils sont super forts. Et ils ont une super idée. Et ils ont un super concept. Et ils sont super forts. Et voilà. Et tu te dis, moi par exemple, quand j'ai lu certains dialogues de The Witcher 3, j'ai eu conscience que jamais j'aurais le niveau des gens qui ont écrit ça. Voilà. J'ai lu des phrases et j'ai dit ça, même si je vivais 1000 ans, je pourrais pas écrire ça. Voilà. Donc, t'as des mecs qui sont juste forts. Et ils ont, tu sais, ils sont au-dessus d'un, même pas d'un plafond de verre, mais d'un plafond complètement visible, hein, et que tu pourras jamais y accéder, ils sont trop forts, quoi, c'est tout. Un peu comme un mec qui est un champion de boxe et toi, t'as 50 ans et tu pourras jamais battre un mec qui est un champion de boxe qui a 20 ans, quoi, c'est tout. Voilà. T'as jamais fait de boxe. Donc, quand tu écris pour un jeu, me demande Rizan, comment développes-tu scénario et game design en même temps ou bien commences-tu en particulier? Ça, on en parlera plus tard. Voilà. Est-ce qu'il y a un vrai marché du visual novel? Oui et non. Il y a un marché, le marché du visual novel, mais j'en parlerai en temps voulu. C'est un marché avec une faible marge. C'est-à-dire que tu vas investir 1000 euros. Je prends des chiffres symboliques. Tu vas investir 1000 euros et tu vas gagner 1200 euros. Quand tu maîtrises très bien toutes les choses. Ce qui fait que, mais ce qui est bien, c'est que tu n'as investi que 1000 euros, mais tu n'as gagné que 200 euros. Tu vois. Et ce n'est pas reproductible. C'est-à-dire que tu peux pas, enfin, c'est pas scalable à volonté. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre 1 million d'euros et récupérer 200 000 euros. Même si c'est le cas dans certains cas. Voilà. Mais voilà. Et par contre. Il y a certains marchés de niche dans le visual novel qui marchent très bien, on en parlera en temps voulu. Malheureusement, il est 21h30 et je vais arrêter pour ce soir. Alors, sachez que je n'ai presque rien dit, j'ai même pas attaqué le world building, les bibles d'univers, tout ça. On est encore dans le système linéaire. Donc sachez que je continue mercredi prochain. Je reprendrai pile poil où est-ce qu'on en était. Et on fera la même chose, c'est-à-dire 1 heure de transmission. Et 30 minutes de questions-réponses. Donc, je vous donne rendez-vous dans le podcast Compétences ou le stream sur twitch.tv/fibretigre pour voir la suite de ce cours de fiction interactive, narration interactive, transmission d'expérience par Fibre Tigre. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine. J'ai arrêté le podcast. Et je vous fais des bisous à vous. Ça vous a plu? Est-ce que vous serez là la semaine prochaine? C'est ça qui est le plus important, sinon j'arrête moi. Voilà. Bon, ça vous a plu. Donc aussi, voilà, il y a des professionnels comme Harmony Game dedans qui sont des professionnels. Donc n'hésitez pas à le harceler pour lui dire mais comment tu fais pour travailler à des jeux? Et bon, écoutez, si ça vous a plu, ça me fait très plaisir. Et du coup. Voilà, donc ça sera là mercredi prochain à 20h. Et donc je vous dis, comme vous êtes resté un peu plus, je vous dis un petit peu ce qu'il y aura. Là, je suis en train de parler d'écrire de façon linéaire, donc on va écrire de façon linéaire. Ensuite, on va parler des embranchements, qui est un peu la base de la fiction interactive. Après, on va parler de ce que j'appelle le semi-objet. On manque de vocabulaire, donc on va sortir de l'embranchement, on va rester dans l'interactivité. On va parler des expérimentations, on va parler du futur, on va parler des financements de projets. Et on va parler des techniques avancées. Voilà. Et puis, je pense que j'aurai d'autres idées. Oui, tout sera toutes les semaines, effectivement, à mercredi à 20h. Voilà. Eh bien, je vous fais des bisous et je vais aller manger. Et je pense à vous. Merci en tout cas pour votre enthousiasme. Ça fait très plaisir. À bientôt.